Yo, famille, j'espère que vous allez bien. Bienvenue chez MVP Footin. Voilà, donc attendez, je vais bien placer. Voilà, bien placé. Il se fait tard, mais bon, la Côte d'Ivoire a gagné. Donc, il faut faire une vidéo rapide, débrief rapide, tranquille en fait, pour parler un peu qu'est-ce qui s'est passé avec les éléphants. En tout cas, c'était vraiment un très, très, très beau match. 1-0 au stade Amadou Koulibaly de Kogo, but de Seko Fofana. C'est vrai qu'il faisait chaud, mais bon, on va faire les débriefs, on va parler de chacun des joueurs. Donc, on commence. Veuillez vous abonner pour ceux qui ne connaissent pas MVP Foot. Voilà. Donc, j'ai pris quelques notes en fait. Voilà. On commence par Yaya Fofana. Voilà, Yaya Fofana. Notre gagnant, Fofana, bon, pour moi, n'eût été le but de Seko Fofana. Moi, j'ai dit que l'homme du match, c'est Yaya Fofana. Hein, parce que Yaya Fofana, il a arrêté trois gros ballons. Il a fait un gros match. On sent que notre gardien, il est, comme on appelle, beaucoup plus en confiance avec notre équipe nationale de Côte d'Ivoire. Donc, c'est un gros, gros match. Et moi, je lui donne une note de 8,5 sur 10. Parce que franchement, il nous a beaucoup sauvés lors de la première période. La deuxième période, ça a été beaucoup une période de gestion. Mais la première période, il nous a sauvés. Voilà. Ensuite, Odilon Cossonou. Odilon Cossonou, bon, c'était un match correct. Hein, voilà, c'était un match correct. Sauf que dans les 13e minute, il a raté une passe. Et puis, ça a failli donner une très grosse occasion pour les Gabonais. Mais Yaya Fofana, qui est le dernier rempart, il est là. C'est ce qui c'est un gardien. Quand les défenseurs font des erreurs, il faut que le gardien puisse être là pour, comment on appelle, être là pour arranger cela en fait. Voilà, donc gros match d'Odilon Cossonou. On sent que il a joué avec beaucoup de réserves parce que Odilon Cossonou, quand on connaît là, c'est un masseur, quelqu'un qui va au charbon, mais bon, il essaie de se régulariser pour éviter d'avoir les cartons rouges. En tout cas, félicitations et on espère que ça va continuer. Voilà, et puis aussi, on a Emmanuel Agbadou qui a eu un match correct, franchement, il était vraiment au marquage avec Emmanuel, comment il s'appelle? C'est pas Emmanuel, Aubameyang en fait. Voilà. Donc, il était vraiment au marquage avec Aubameyang. C'est vrai qu'on n'a pas trop vu dans le match, mais son marquage a payé puisque Aubameyang n'eût été de son poteau qu'il a eu en première mi-temps. Rien ne s'est passé, hein. Rien ne s'est réellement passé avec lui. Et Emmanuel Agbadou a fait le bon travail, le vrai marquage. Voilà. Aussi, on a eu Evan Dika qui on voit que il est. Il a aussi, c'est un patron de la défense, quoi. Donc, il a bien joué, il a joué son côté gauche avec son pied gauche. Et aussi, c'était très, très intéressant. Il n'a pas, comme d'habitude, aucune faute, mais bon, il était présent, toujours marqué sur Emmanuel et Pierre-Emerick Aubameyang. Voilà. Aubameyang, voilà. Donc, ils l'ont marqué, il aidait vraiment Agbadou. Et c'était vraiment un très, très gros, gros, gros match de Evan Dika. Voilà. Ensuite, on a nos latéraux, on a Wilfried Tsengo et on a Ghislain Konan. Wilfried Tsengo, vous-même, vous le connaissez, hein? Voilà, il a fait un très très bon retour défensif. Sinon, c'était un contre un contre le gardien, on ne sait pas s'il allait marquer. Mais bon, son retour défensif qu'il a fait, ça nous a vraiment aidé. Et puis, Wilfried Tsengo l'a également même à lui-même dans ses débordements. Et les gens ont commencé à le connaître. Donc, il voulait humilier les Gabonais ne se sont pas laissés faire, ils lui ont donné des petits coups, donc. Faut doser, faut doser, faut doser. Voilà. Donc, et Ghislain Konan aussi, c'est vrai que les gens voulaient voir Péri, mais Ghislain Konan, il est très, très intéressant sur son côté gauche. Depuis le match contre le Sénégal, on sent qu'il s'est vraiment relâché et c'était vraiment un bon match de Ghislain Konan, mais à part qu'il s'est un peu fatigué et Christopher Péri est rentré. En gros, en défense, je vais donner un 6,5 à Cossonou, un 7 à Agbadou pour son marquage à. Et puis un 7,5 Ndika. Voilà. Donc, Agbadou, il a fait le vrai marquage. Ndika, on l'a beaucoup vu. Et voilà. Cossonou aussi, on l'a beaucoup vu, mais il s'est vraiment retenu. Maintenant, latéraux, je vais donner un 7 à Sengo. Qu'ils ont su que, à part qu'il soit un défenseur, il peut être aussi un milieu droit ou un ailier. Donc, du coup, les attaquants et les milieux étaient vraiment au marquage avec lui. Et puis Konan, avec sa technique, je lui donne 7 maintenant. Voilà. Donc, on passe au milieu. On a joué avec 5 défenseurs, 3 milieux et 2 attaquants. Les milieux, ce sont les milieux habituels. Hein. C'est Jean-Michel, Seko Fofana et puis Franck Kessié. Voilà. Franck Kessié, il a eu vraiment, vraiment, il a eu deux occasions.
où il pouvait marquer deux buts contre le Gardien, où Seko Fofana a fait une passe et puis il a tiré. Heureusement que le Gardien gabonais, il a attrapé le ballon. Ensuite, il a délivré une passe décisive à la 36e minute avec à Seko Fofana. Et Seko Fofana a fait sa spéciale, quoi. Voilà, but de la Côte d'Ivoire. Ensuite aussi, il y a Kossounou qui va centrer à la seconde période où il a tété, ça a touché la transversale. Et quand le Gardien est tombé sur son pouce et son pouce s'est cassé. En fait, s'est déplacé, s'est cassé. En tout cas, il a joué un gros match. Il a joué pratiquement tout le match. Donc, je lui donne une note de 8 sur 10. Il a été vraiment le maître du jeu, comment on appelle, le capitaine. Et aussi, souvent quand on faisait des erreurs défensives, comment on appelle, Franck ici, qu'est-ce que lui faisait? Il faisait les petites fautes. Moi, il pensait qu'il allait avoir un carton jaune, mais bon, c'est Franck ici, hein, c'est un grand homme. Donc, voilà. Les arbitres ont dit non, 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 il sait ce qu'il fait, donc ils ont dosé. Voilà. Ensuite, Jean-Michel Seri, lui, ouais, au début du match, on l'a pas vu, on l'a vraiment pas vu, il n'était pas vraiment rentré, mais à partir de la 30e minute, on a vu Seri dans ses récupérations, et puis récupération des balles en tant que milieu défensif, il a vraiment, 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 vraiment joué. Il a vraiment joué et. Aussi, moi, ce que je reproche à Seri, c'est ses coups francs. Ses coups francs, il se connaît. Ça n'arrive pas sur la tête des joueurs. Voilà. Toujours celui qui tire, celui qui centre. Mais bon, il n'a qu'à essayer de travailler ça. Sinon, c'était un gros match pour lui. Donc, je lui donne une note de 7. Ensuite, on a Seko Fofana. J'ai pas reconnu Seko Fofana aujourd'hui. Hein. Seko Fofana, lui, était ailier. Ailier aujourd'hui. C'est-à-dire, en plus du milieu, comme il aime partir, il est ailier. Et puis, moi, je pensais que c'était quelqu'un qui savait pas dribbler, mais qui l'a eu comment on appelle? Devant les défenseurs là, passement des jambes, crochet sur le côté, il dit eh! Les gars là, c'est comme ça, il est fort, mais il peut être ailier. Mais bon, c'est un milieu, en tout cas, c'était un vrai, vrai, vrai match. Il était buteur, donc c'est lui qui est l'homme du match. Hein. Mon top 1, c'est Sekou Fofana, top 2, et là, Fofana, top 3, Franck Kessié. Voilà, donc je vous dis en même temps, Sekou Fofana, au début, il perdait les ballons, mais bon. Heureusement que l'équipe nationale s'est devenue une équipe, ce n'est pas un truc individuel. Dans ses passements des jambes, ah, ouais, il est vraiment fort en tant qu'ailier. Et puis il a marqué son but à la spéciale. En tout cas, on a vu l'entraînement des éléphants où les gars s'apprêtaient à tirer en dehors des surfaces. Lui n'a pas besoin de ça parce que lui, c'est le spécialiste de l'équipe nationale. Et puis aussi, ils ont fait des gros tiki-taka pour que, un peu, pour que les jeux de passe pour qu'ils arrivent dans la défense gabonaise. Voilà, donc c'est vrai qu'on est craint de partout. Bon, il a été remplacé par Lazare Amani, mais bon, de toutes les façons, il a fait un gros, gros, gros match. Et merci pour ton but, cher Sekou Fofana. Du coup, on va en attaque. On a eu deux attaquants cette fois-ci. On a eu Oumar Diakité et Penaïs Sébastien Allais. Oumar Diakité, lui, il a bien joué. Il est vraiment puissant. On a vu ses impacts. Hein, quand il va au charbon avec les défenseurs tombent. Et aussi, on a vu beaucoup de maturité. On sent qu'il a vraiment grandi. Ça ne ressemble plus le match qu'il jouait contre le Maroc, en fait. Voilà. Donc, Oumar Diakité a vraiment bien, 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 bien joué. Et il a provoqué un coup franc à la 34e minute. Ensuite aussi, il a eu un raté. Voilà. À la 7e minute, où il a fait un passement des jambes. Il est venu sur le côté. Au moins, il voulait tirer. Il s'est pas encore bien appliqué. Mais je pense qu'il s'y pratique. Il pratique. Il va être un super, super attaquant et un très bon buteur. On continue aussi avec Sébastien Allais. Sébastien Allais, il a eu un gros match et voilà. Donc, il a fait son jeu de pivot à la 39e minute. Malheureusement, Oumar Diakité a perdu le ballon. Et puis, il a eu un tir qui a raflé auprès du poteau, en fait. Donc, quand son tir a raflé auprès du poteau, on pensait que c'était son but. Mais bon, c'était un tir vraiment de loin, hors de la surface. Mais bon, c'est pas grave. Et puis aussi, il a fait un enroulé. Malheureusement, le gardien gabonais, il est vraiment fort. Il a vraiment suivi. Voilà. Et puis, il a été remplacé par Adingra. En tout cas, c'était un gros match pour lui. Malgré qu'il n'a pas marqué, mais bon, c'était vraiment un gros match. Pourquoi j'ai dit c'était un gros match? Parce que Allais a fait beaucoup d'efforts défensifs. Donc, il est là, il est au charbon. Et puis aussi, il faut comprendre, il a traversé une très, très, très mauvaise, comment on appelle, saison. Donc, maintenant, il va reprendre ses jambes. Et on espère qu'il va aller dans un club. Voilà. Donc, on a eu les remplaçants. Hein. Les remplaçants sont rentrés. On a. Simon Adingra, avec ses coups de rein, il a fait un coup de rein là, ouf! S'il avait tiré, on ne savait pas, c'était vu, mais heureusement que le gardien gabonais, voilà, gardien gabonais, il a, et le défenseur gabonais, il a bloqué le ballon.
Ensuite aussi, on a Lazar Mani qui est là pour sa vista. Moi, je pensais que Lazar Mani, parce que c'est un petit gabarit, est-ce qu'il est physique? Mais il est très physique, hein. Il va au charbon. Il va au charbon avec les joueurs musclés, là. Et les joueurs musclés tombent. Donc, c'est pour dire que Lazar Mani, c'était bon. Pas mal. Ensuite, on a eu les nouveaux, hein. Les nouveaux, on a eu Mohamed Diomandé qui est rentré sur son côté gauche. On a vu qu'il jouait, mais c'est juste qu'il était un peu, comment on dit même? Il était un peu, comment on dit le mot, là? Timide, voilà, un peu de timidité. Par contre, c'est sa première sélection, un peu de timidité, mais je pense que Kim va avoir beaucoup de confiance, vous allez voir. C'est un peu comme hier, Fofana. Hier, Fofana, naturellement, ils ont confiance, on a vu comment est-ce que ça a donné. Ensuite aussi, on a, comment on appelle, Christopher Opiri qui est rentré, qui a bien joué, qui a bien défendu, parce que les Gabonais avaient commencé à mettre la pression sur nous. Heureusement qu'il a fait une mauvaise passe. Heureusement qu'on a rattrapé le ballon. Sinon, ça allait être vraiment chaud. Vous connaissez Bouge, j'ai les Ivoiriens allaient insulter mon gars comme ça. Mais bon, de toute façon, c'est ça. Et puis, on n'a pas vu Guila, mais c'est pas grave. Je pense qu'on va le voir contre le Kenya. On n'a pas vu Evan Guessant. On n'a pas vu les Ousmane Diomandé. De toute façon, l'équipe nationale, c'est une équipe. Donc, c'est une très belle expérience, même s'ils sont pas venus. Voilà. Et puis, l'équipe en général, ils ont fait vraiment, vraiment un gros pressing. Hein, donc, c'était vraiment bon. Et ce système de jeu, c'est un nouveau système de jeu. Donc, les entraîneurs n'ont qu'à 500 pour, ils n'ont qu'à mettre le système de jeu dont on connaît. Bon, c'est comme si c'était une grosse équipe aussi. Cette équipe s'est entraînée presque 10 jours de plus que nous. Donc, on a vu ce que ça a donné. Si c'était pas entraîné 10 jours de plus, c'était beaucoup de buts. Mais bon, c'est ça. Et puis, l'équipe gabonaise, avec le poteau de Aubameyang à la deuxième minute, s'il avait marqué, ça allait nous créer beaucoup de problèmes. Et puis, on a eu un coup franc. Ouais, avec le rebond, ça a failli tuer notre hier Fana, mais bon. Il a été vraiment vigilant. Et puis, ils sont vraiment excellents dans les contre-attaques. Ils ont joué à fond dans les contre-attaques avec les gardiens qui avaient le doigt cassé. Donc, très, très gros match des éléphants. C'est un match difficile parce qu'on sait que le vrai adversaire des éléphants, c'est le Gabon. Et on a répondu présent en Côte d'Ivoire. Donc, reste le match, comment on appelle? Le match suivant contre le Kenya et on va jouer au Malawi. Donc, merci de vous abonner sur MVP Foot. Pour ceux qui ne connaissent pas MVP Foot, on fait le résumé de l'actualité du football ivoirien. Donc, merci et puis passez une agréable soirée.